Hop les amis, on part sur le deuxième terrain avec des magnifiques exposants. On a, il y a de la McFarlane, il y a de la Cartas de ouf. Il y a une magnifique casquette, parfait. Merci, super placement produit, merci. Nous avons les habits très bien, excusez-moi. Il y a des joueurs, des dirigeants, il y a un arbitre aussi. Et en fait, à travers leur parcours, une partie de l'histoire du baseball. Et comment l'histoire du baseball est connectée avec l'histoire du monde, enfin, l'histoire américaine, aussi japonaise, avec le baseball. Là, il y a du jersey. Du coup, c'est Sacré portant. Voilà. Au revoir, bonne journée, à demain. On a la librairie. Léo de l'équipe de France. Ah super. Ça va être mieux comme ça. Merci beaucoup. Ça dépend ce que. Juste un petit coup sur les classeurs, merci. Ça, c'est pas encore sorti, ça. C'est vrai, c'est ça. Ouais, d'accord. Ça, avant, c'était Cop Card Break. D'accord. On va changer de nom. Ça marche. Ça va, ça va. Je peux pas admettre la vidéo sur YouTube. Comme tu dis, ça. Ouais, tu l'as fait parce qu'il fallait faire la France. J'ai cru voir pouvoir là, mais c'est pas la légendaire. Les lettres qui ont quand même plus de 30 ans. Ah ouais, incroyable. Et dans les cartes un peu exotiques, tu fais que rap français, rap US. Ah oui, mais elle est que en L. Ouais, mais je sais, je suis pas stressé. Ah ouais, Vera Basta, elle est incroyable celle-là. S'il y a des amis italiens là-bas, tu connais des rappeurs allemands, il y a des German Twain qui le fait pas mal. Ouais. Ah, il y a Nadril, il y a Benjamin Hubs. Ah, ça va plaire à mon pote Stretch. Le DJ. Bon après, je vais pas te mentir, il y a des rappeurs français, je ne connaissais pas leur existence, hein. Genre... On est vraiment sur un terrain de foot, les amis. Ouais, il y a des très très belles cartes. Et en fait, on peut acheter directement sur place, ou c'est genre, t'as des boosters, t'as le système aussi. D'accord. On peut acheter ici, aujourd'hui. Ok, donc, ça se passe sur le terrain numéro 3. Donc, il est marseillais, mais il n'a pas l'accent, donc c'est bizarre. Et en tout cas, c'est des amateurs de musique. Carve la belle, ouh.
pas une bonne idée de concert. Ils préfèrent ça avec les chanteurs de zouk. Parce qu'on est allé jusqu'au bout. Ah bah top. Il va la sortir dans un sens de puissance. Et c'est ça qui a pris le plus de temps. C'était pas si long. Presseur. Quand vous avez connu Jean-Marc aussi. Jean-Marc, il est là. On a fini avec son bus. Il y a 10 minutes pour la fin. J'essaie de me faufiler pour voir un maximum de cartes. Benjito! Benjito le beau. Elle est parfaite. Récupère des cartes. De quoi? Récupère des cartes gravées de chez MTG. Ah, j'ai testé. Ah, elle est magnifique celle-là. MTG. C'est Noru Fuji Haru. Bravo. Hein? Elle est belle. Yokozuna. Celle-là. Si t'en fais rien, elle m'intéresserait peut-être celle-là. C'est que pour moi, il y a du monde, j'essaie de vous montrer au maximum. On a déjà fait tout le tour. On va faire le dernier terrain.